Ok yo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série qui commence avec Waz. Comment ça va mec? Bah ça va et toi mon petit Z? Bah ça va super. Alors écoute, tu te rappelles peut-être, on a déjà fait une série dans laquelle on devinait le nombre de points d'arène des abonnés. On a déjà fait une série où on devine leur nombre de couronnes. Et aujourd'hui, est-ce que tu sais ce qu'on va deviner? Leur nombre de top 1. Ah, le nombre de top 1, ça pourrait être une idée. Mais non, aujourd'hui on va devoir deviner leur nombre de kills. Oh, pas mal. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé aux abonnés de participer en mettant des vidéos sur YouTube avec le hashtag ZWazKill qui s'affiche à l'écran tout de suite. Et du coup des abonnés ont mis leur meilleur game, on va les regarder et notre objectif ça va être de deviner ils ont combien de kills overall. Par exemple, si jamais on se rend compte que le joueur il est plutôt fort, il a des bonnes mécaniques et même qu'il porte un skin qui date de la saison 2 du chapitre 1, et ben on sait que ce mec il a forcément beaucoup de kills et donc on devra le prendre en compte. En revanche, si jamais le mec c'est plutôt un Bambi, il a pas vraiment de skin ou quoi, on pourra se dire que c'est un joueur récent et que donc il a pas beaucoup de kills. L'objectif ça va être d'être celui qui a le plus proche de son nombre de kills. C'est tout clair? C'est bon. Et ben écoute, si c'est tout clair, je te propose qu'on parte tout de suite. Juste avant, comme d'habitude, pense à te rendre dans la boutique et à mettre le code ZFAR. C'est ZETFAR. Hop, et puis on est parti. Ok, du coup, première game, on se retrouve sur la POV de Rourou avec Marc Alonso et Zeldris M1V. Alors, on peut voir que celui sur qui on est en train de regarder, il est que niveau 3. Donc ça, c'est peut-être une indication. Alors par contre, on peut déjà voir que il a qu'un kill, mais que son duo en a fait 14. Enfin, son trio plutôt. Donc à mon avis, son duo et son trio doivent être plutôt chauds. Ouais, il se fait carré, là, on dirait moi avec toi, Z. Ouais, donc tu vois, là, la petite indication qu'on a, c'est qu'il est pas haut niveau. Il a pas beaucoup de points d'arène, il fait pas beaucoup. Après, il est quand même niveau 100. Hein. Non, lui, là, celui qu'on regarde, Zeldris, il est niveau 4. Mais nous, on regarde Rourou, là. Ah, bien vu, on regarde Rourou. Oh là là, vas-y, ça commence. Tu vois, ça a même pas commencé. Oh, j'aurais rien dû dire, je suis trop bête. Ah, bah, mon gars, si tu m'avais rien dit, t'aurais forcément win. Oh, non, j'ai le seum. Ok, bon, bah, du coup, on est sur la POV de Rourou qui est bien niveau 100. D'accord, donc c'est peut-être déjà une indication. Mais il se fait quand même carry. Il se fait quand même carry. C'est un joueur manette. Ils ont déjà 20 kills, en vrai, ils peuvent taper une grosse game. Ah, ouais, mais ça, c'est sûr que c'est pas des EDFR, hein. Tu sais pourquoi je suis deck? Parce que je me suis dit, ouais, on repart sur de bonnes bases, nouvelle série. Ça a bien commencé. Ça fait même pas 2 minutes que la vidéo a commencé que tu commences déjà. Je suis désolé. En fait, c'est trop tentant pour moi. J'ai envie de tailler les EDFR toute ma vie. Des fois, je me réveille la nuit, je dois aller pisser et en pissant, je taille les EDFR dans ma tête. Mais je vois ça tous les matins. Je me réveille, je vais sur Twitter, je vois tweet de Waz qui trash les EDFR. Il y a pas longtemps, j'ai été un petit peu gentil. Est-ce que t'es chaud qu'on instaure un jour de paix? Genre par exemple un jour dans la semaine, genre le samedi, où le samedi les ZZ et les EDFR ils sont amis, ouais. Interdiction de se trash, c'est ouais. Un jour de pause. Bah tu sais quoi, franchement c'est une trop bonne idée. Tous les samedis, jour de pause, on peut pas trash les EDFR et les ZZ. Ok, vas-y. C'est une super idée. Le premier qui trash un ZZ ou un ZDFR ce jour là, il est banni de l'endroit où est-ce qu'il a fait le truc. Eh ouais, parce qu'en plus on saura que c'est pas un vrai vu qu'il aura pas regardé la vidéo, il le saura pas tu vois. Ouais exactement. Samedi, jour de paix. Bon vas-y, du coup peut-être qu'on focus. Est-ce que t'as déjà une idée de son nombre de kills? En vrai, je me dis que s'il se fait carré comme ça à chaque game, il doit pas en avoir énormément non plus. Donc ouais, j'ai une petite idée. Du coup d'ailleurs, pour ceux qui se diraient mais Z, qu'est-ce que tu racontes, son nombre de kills tu le vois en haut à droite. Alors c'est pas le nombre de kills. Ouh, oh là, il a déjà plus de vie. C'est pas le nombre de kills dans la game qui nous intéresse, c'est le nombre de kills que le mec a au total sur Fortnite. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis à environ 55 000. Waz, il doit être peut-être à pareil. Et les joueurs qui jouent plus ou moins à Fortnite, ils sont à 10, 15 000, voire 20 000. Donc voilà, ça peut nous donner une idée. D'ailleurs, vous savez quoi, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous êtes à combien de kills de votre côté. Et bah clairement, on va pas se cacher qu'il se fait carry à fond, il a 2 kills et ses potes en ont 24. C'est quoi ça? Oh non. Il aurait pu mettre une grosse tête. Non mais... Oh là là, l'aim de Martial. C'est un ZZ, frérot, c'est un ZZ, ah, je suis sûr. Ah, mais c'est sûr, frérot. Mais non, c'est Martial. Regarde, je suis sûr, il va se faire casser le kill. Et voilà, c'était sûr et certain en fait. Rourou, il faut que tu sois plus insistant avec tes mates. Là, bah, tu te fais trop victime. Mec, par contre, ils sont à 28 kills et il reste encore 16 mecs. Ils peuvent faire une 40. What? T'as vu, il y a un de leurs mates qui a quitté. Ah ouais. Celui qui était niveau 4. Ah bah, ils étaient pas... Ouais, je crois qu'ils étaient pas en vocal avec lui. Du coup, maintenant, ils sont en duo versus trio. Il vient d'ailleurs de passer les 2000 points dans cette game. Effectivement. Oh. Oh là là. Oh, les tétés. Oh, c'est trop mignon, c'est en train de discuter, ils se sont rencontrés en comblé. Ouais, il y en a un qui est PC, l'autre PS4 et ils se le demandent comme ça. Tu sais qu'il y a plein d'abonnés, ils m'ont dit ouais Z, je te remercie parce que grâce à ton Discord, j'ai pu rencontrer mon mate. En fait, il y en a, tu sais, ils ont pas de mate et donc du coup, ils cherchent sur les Discord et il y en a, il m'expliquait qu'en gros, grâce à ça, bah ça faisait plusieurs cups qui jouaient avec le même duo et que ça se passait super bien. Et ça, je suis en mode mais c'est trop bien en fait. Ouais, mais j'ai parlé sur mon Discord, ça c'est trop cool. Et des fois, j'en ai même qui me disent ouais, j'ai joué avec un ZDFR et ça s'est bien passé genre. Bon bah du coup, pour tous les intéressés, je mets le lien du Discord en première de description. Oh là là, moins 20. Eh attends, ils sont à 38 kills. Mais what? Je veux juste voir le nombre de kills de son mate à la fin. C'est pas possible. Ah ouais, Marc Alonso, il est chaud de ouf. Mec, il a 4 kills, ils sont à 38 au total. Ça veut dire que si tu veux être logique, son pote, il en a presque 30. Pas mal. Il termine sur une 40 éliminations. Bon Waz, du coup, c'est le moment. C'est le premier qu'on va essayer de deviner de toute cette série. T'as une idée ou pas? Ouais, je sais ce que je vais dire. Ok, bah si t'es prêt, je te propose qu'on le dise en même temps. 3, okay. 2, 1... 8000. 4000. T'as dit combien? 7000 et moi 8000? 4000, j'ai dit. T'as dit 4000 et moi 8000, d'accord, ok. Ça veut dire que si c'est plus que 6001, c'est moi qui ai gagné. Si c'est en dessous, t'as gagné. Allez, je veux bien commencer cette série. Et au total, il a 2210 kills. Oh non. Bah t'as gagné. J'ai gagné. Bah oui, t'as gagné. Let's go. Let's go.
Ok, et bah écoute, bien joué Waz, du coup tu as gagné pour l'instant cette première manche, ça fait 1-0. Allez, on passe au joueur suivant, on est sur la POV de Denis avec son pote Unity Maru. Alors par contre on en parle qu'il est niveau 237. Oui, et il a le skin de Fou Furieux, et le super héros. Il est CS, il est très bon mécaniquement, ok. Ok, ah oui, ouais. Oh. Ah oui, ok, là... bon, lui, je sais qu'il n'a pas les 1000 kills. Ok, on est sur un autre registre, je pense. Oh là 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 là. Hop, petite pause, j'en profite pour te dire qu'on vient d'atteindre les 3 quarts du million d'abonnés. En fait, on vient de passer les 750 000. Si tu veux nous aider à atteindre le million, je t'invite à t'abonner. Comme ça, qui sait, peut-être qu'on arrivera au million avant Waz. Même si j'ai du mal à y croire, on va tout donner. Ah oui, d'ailleurs, comme d'habitude, hein, je vous le répète souvent, mais dans les commentaires, vous aussi, vous pouvez tenter de deviner. Vous mettez par exemple game 1, vous pensez qu'il a autant de kills. Et puis, comme ça, à la fin, on verra si jamais il y en a certains parmi vous qui sont plutôt chauds pour deviner ça. Alors, déjà, il joue bien collé. Ouais, il protège bien son mate. Oh là 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 là. Oh. Il a une bonne co aussi, mais c'est tant mieux pour lui. Ah, il a 0 de ping. Je savais même pas que c'était possible d'avoir 0 de ping en game. Bah, je pense qu'il faut habiter à Paris. Quand j'habitais à Paris, moi j'avais 0 de ping. Ok. Mais. C'était à l'époque, hein. Mais mec, 0 de ping en game, je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ok, bah nickel, il a déjà 5 kills à lui tout seul. Et on voit que les ennemis, ils lâchent pas. On sent que déjà, tu vois, il est à 4500 points. Les ennemis sont plus forts que le joueur d'avant où il était à peine 1000. Là, tu sens que ça monte d'un registre. Et quand on sera sur des mecs champions, là, ça serait peut-être encore autre chose. Allez, revive ton pote. Par contre, il dorment sur le clavier, les ennemis en face au final ou pas? Oh, ce genre de fight interminable. Il faut que tu mettes des splash à ton pote. Oh, ah, bah, je crois que son pote, c'est. Ah ouais, son pote est finito. Mais mais là, oh. Il a mal joué en vrai. Hein. Oh là là. Là, il a fait un bon move. What the fuck, la balle qui vient de lui mettre. Je trouve qu'il était beaucoup trop long pour. Bah bien sûr, ce qu'il aurait dû faire c'était juste au lieu de tenter la grosse à tout prix, c'était mettre 2 ou 3 splashes, comme ça son pote il avait re de la vie et puis il se boxait. Ouais, ou alors porter le cadavre et se barrer loin, mais ouais, pas reculer à H24. Ok, j'ai l'impression qu'il est encore un 1v1 et il ose pas bouger. Ah non, c'est un 1v2. Oh là là, il est pris en sandwich. Oh, donc il en a l'une. Je sais pas comment il va s'en sortir, mec. 1v2, il sait pas son mur. What the fuck? What the fuck? Oh non. Attends. Mec, si clash, ça fait un ouf, là. Ah, il va mourir, c'est sûr. Denis, il est trop fort. Denis Brognard. Coupe Nolus, coupe. Ah. Ah. Là, il peut clairement clutch vu qu'il est bon. Il s'est remis de la vie. Il a l'avantage des HP sur son mate. Enfin, sur son ennemi plutôt. Ouais, faut qu'il recharge le pompe. Ça, quand t'es, mec, quand t'as plus de balles de pompe, que le mec t'arrive au corps à corps sur lui, t'es sûr de lui mettre la balle et que ça tire pas parce que t'as plus de balles, là t'es en mode oh purée. Ah, au final, du coup, c'est une toute autre game. Ok, bon bah au moins, on a pu avoir un petit aperçu de comment jouer Denis. Cette game-ci va certainement aller plus vite. Ah oui, là. Ah, je suis mort, le toxique. Ok, attends, je vais dire un truc à la vidéo, je me mute comme ça tu l'entends pas. Ouais. Ok, en fait, comme vous l'avez vu, il a la danse Ballet Masque. Ballet Masque, c'est une danse qui date de la saison 3 du chapitre 1. Ça veut dire que c'est un joueur qui joue depuis longtemps. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Mais je veux savoir, Zed. Tu sauras pas, j'ai envie de gagner, je vais pas perdre cette série. Oh, si tu perds en faisant ça, c'est la honte pour toi. Bah, ça va, c'est juste un petit conseil que j'ai donné aux abonnés. Il a 7 kills et son mate est encore mort, j'ai l'impression que. Son mate. Comment on le dit? Son mate le hint, c'est ça? Ouais, son mate il est en train de hint. Voilà. J'ai souvent ça sur LOL. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, en fait, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé en stream, en fait, quand on dit par exemple, moi quand je joue avec Waz, Waz me hint. En gros, ça veut dire c'est à cause de lui qu'on meurt. Ah. Oh là, oh, il a raté la balle. Non, il a raté la balle. Heureusement qu'il a un bon shoot à la PM. Hein. Et heureusement que l'ennemi dort sur le clavier aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas grave, c'était sûrement un ZDFR. Il était même pas noté ZDFR, ça compte pas. Oh là là. Allez, la grosse bastos. Je sais pas, j'arrive pas à savoir s'il jouait qu'une grosse ou une petite sensi au clavier souris. Je sais pas du tout. Mais toi, t'arrives pas à le voir dans ses mouvements s'il joue une grosse ou une petite sensi? Je dirais quand même une grosse en vrai. Ok, il reste 11 personnes, ils sont à 10 kills et c'est lui qui a les 10 kills. Son mate, c'est vraiment histoire de lancer la game. Oh là là, c'est beau ça. Oh là 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 là. D'ailleurs, tu préfères le pompe striker ou le pompe auto? Le pompe striker maintenant. Parce que le auto il est fort en fait. Ouais, mais j'ai changé d'avis, j'aime trop le strike. Oh, il se tape la grosse, la chance. Comment il va sortir de la situation? Oh là 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 là, c'est bien ça. Maintenant il faut all-in le dernier avec ton pote. Waz, je te donne un privilège. Ouais. C'est toi qui va donner l'objectif de like de cette série pour avoir un deuxième épisode. 17 500. Ok, 17 500, j'espère que vous êtes capable de ça. Et ils sont en 2v2 finale. Du coup, commence à réfléchir à son nombre de kills. Personnellement, j'ai mon petit avis. Ouais, moi aussi. Ouais, j'ai mon avis. Franchement, j'ai mon avis. Et je pense qu'il y a moyen que je win cette manche. Bah, dans tous les cas, t'as pas trop le choix parce que je gagne 1-0 pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Oh, son mate. Son mate qui est mort, il est en 2v1. Il a 20 HP. C'est la merde. La splash tout juste. Il a eu le kill. Ouais, c'est bon, il va clutch. Par contre, là, sa place, je redescends et je casse tout. Hein. Lui, regarde, il veut build fight. Ça, c'est les gros fous furieux. C'est vrai que c'est un malade. Oh là là, la chat, elle est morte de zone. Il s'en sort, bah écoute, franchement, bien joué Denis. Denis trop fort. Waz, c'est le moment fatidique. Est-ce que t'es prêt? Je suis ready. Ok, 3, 2, 1.
35 000. 35 000. Oh, t'as dit combien? 35 000 comme moi? Ouais, j'ai dit 35 000. Ok, alors il faut qu'on se départage. Tu sais quoi, je dis 35 000 1. T'es un rat. Vas-y, moi je dis 35 000 et du coup toi 35 000 1. Mec, j'ai le seum. En vrai, t'es un rat. Non, t'as pas. Allez. 4 200. Allez, chat. Ah, c'est un ZZ! Let's go, Denis! Nice, Denis! Denis qui me fait win. Par contre, frérot, je sais pas si tu te rends compte du niveau de malade qu'il a pour seulement 4000 kills. Ouais, je pense que c'est un nouveau compte, c'est pas possible. Ah, c'est certainement un nouveau compte. Ok, on est sur la POV du coup. Cette fois-ci, on est sur Elmeric. Ok, Elmeric, c'est un de mes modérateurs, c'est le boss. Et du coup, les joueurs, c'est Grand Danger 269 et Menace sans talent. Ah, c'est pas Menace sans Tana, c'est Menace sans talent. On est sur un joueur PS4 ou PS5 et un joueur PC qui a du coup 144 FPS, qui est plutôt bon. Et qui joue clavier souris. Ok, ou lame. Oulala, lame. C'est bon, je quitte, c'est bon. Son métier, un peu plus. C'est des tryhards. Ok, bon, bah, du coup, faut que Menace sans talent, il assure. 72. Oh là là, c'est beau. Alors. Il est vraiment chaud. Bah, il est pas à l'aise avec ses bulles, mais il fait tout le nécessaire et ça passe. Ils vont m'arracher. Je pense qu'il aurait dû continuer la raise. Ouais, c'est vrai. En vrai, moi, sa place. Moi je suis plus de la team, je lâche pas, tu vois. Il lui a mis un flic là, non? Pourquoi tu pars défaitiste? Prends ta dernière pote là. Voilà, t'as vu son mec qui vient de lui dire pourquoi tu pars défaitiste? Prends ta dernière pote. Ouais, c'est vrai. Il faut être optimiste dans la vie, les gars. Mec, j'aime trop cette mentalité. Son pote là, ouf. Grand Danger 269, c'est le boss. Et voilà. Va dodo, frérot, tu. Voilà, et bah exactement, va dodo. Tu vois que les deux là, quand ils jouent ensemble, ils se connaissent depuis longtemps, ils en ont rien à faire ce trage. 93, il est tout sauf crack, frérot. Oh là 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 là, c'est clean. D'ailleurs, Waz, est-ce que tu sais, ça fait combien de temps qu'on fait des vidéos ensemble? Ça fait... Pour moi, la première, elle est sortie il y a 2 ans. Un petit peu plus. Quoi? Là, dans genre 9 mois, ça va faire 3 ans qu'on fait des vidéos ensemble. Bon, je suis un petit peu marcé sur les bords à dire que dans 9 mois, ouais, parce qu'au final, ça fait seulement... plus 2 ans et 3 mois. Voilà, c'est ça, ça fait 2 ans et 3 mois. Mais la première vidéo qu'on a fait ensemble, je crois que c'était genre fin juin, début juillet 2020. Et c'était une vidéo pour ma chaîne qui s'appelait J'ai 1v1, un ancien joueur pro. Et tu devrais voir comment on n'est pas à l'aise dans la vidéo. Ah ouais, du coup ça fait 2 ans que je suis ultra courageux à te supporter. Oh là là. Ouais, c'est ça. Vraiment, après faudra qu'on la regarde la vidéo parce que je te jure. En fait, dedans au début je te dis ouais Waz, ça va ou quoi? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Et toi tu dis bon, je suis un joueur pro, je fais partie de cette structure, Fortnite j'aime pas mal le jeu. Tu vois, c'est génial. Ah ça date trop, je me souviens même pas. Bon, on parle, mais il a quand même 10 kills, 11 kills même, ils sont encore 26 remain. Mais arrête de case mes kills. Son pote il sert parce qu'il le case. Moi je dirais que je sais pas, il a pas... Je sais pas, tu penses qu'il a beaucoup ou pas en termes de kills? Bah en fait, maintenant je suis plus tout confiant parce que quand j'ai vu le mec d'avant qui avait si peu de kills avec un tel niveau, je sais plus quoi penser de chaque joueur maintenant. Bah c'est ça le truc. Mais c'est qu'en même temps, je me dis, comment expliquer? Là, j'ai l'impression, bah déjà, il a des skins qui sont assez récents. Il est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur joueur non plus. Donc en vrai, ça, à ce niveau, tu peux l'avoir en quoi? En 4, 5 mois peut-être? Donc en vrai, tout est possible. Il peut très bien avoir seulement 2000 kills comme 15 000. Ouais, c'est vrai. Son pote, il a l'air de trop rager. Ouais, t'as trop la rage! T'as trop la rage! Ouais! Il est en train de bien clutch par contre, hein? Ouais, c'est vrai qu'il est en train de bien clutch. Il est en solo duo. 13 kills. Oh là là, oh là là. Qui récupère le kill. 1v2v2. Ah non, 1v1v1v2 du coup. Oh là, c'est clean. Bah par contre, ils font pas d'efforts. Hein. Vas-y, faut qu'il all-in vite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il en a mis un à terre. Oh là là, c'est beau. Oh là là. Le stun là, il était vraiment clean. Bah c'est dommage parce que du coup là, son kill il s'est fait raise. Et là, il est en 1v2v1. D'ailleurs, petite précision à tous ceux qui voudraient participer avec le hashtag ZWASKILL. Dans votre titre, ne mettez surtout pas votre nombre de kills, sinon bah le monteur ou même si moi ou Waz on se balade, bah ça va nous spoil entre guillemets. Et c'est important du coup que vous uploadiez votre rec sans mettre de musique copyright, sinon on pourra pas l'utiliser malheureusement. Et si possible en 1080p. Il est en 1v1 final pour le top 1, 20 kills et il en aura fait 18. Oh, il a plus de maths, il a 16 HP. Comment il va s'en sortir? Attends. Oh, il a plus de maths. Comment ça? 6 HP, plus de maths. Non, il... Oh là là. Oh là là. Ça passe. Oh, vraiment, bravo là. Bah franchement, GG. T'es prêt? Je suis ready. 3, 2, 1, 5. 3500. D'accord. Donc en vrai, tu joues la facilité, t'es en mode, toi du coup c'est un joueur qui est plus récent. Moi je pense que vas-y, il a plus que 5000 kills, c'est sûr, il joue bien. Vas-y, bon on va voir. Hein. Et il en a... Hein? 700 kills, c'est impossible. Et bah alors, mon petit 7. Il a que un jour de jeu. C'est un nouveau compte, c'est sûr, encore une fois. Ouais, c'est possible, mais mec, ah ouais, mais du coup, tous ceux qui ont des nouveaux comptes, c'est de la triche. Vous savez quoi, ceux qui participent, faites en sorte que ce soit pas un nouveau compte, parce que là, vas-y, c'est impossible qu'il ait seulement 700 kills. Et Z dans le rétro. Neikos et Trainash Nezix, et c'est des joueurs qui sont sur PS4 ou PS5. Non, PS4. Des joueurs PS4 clavier souris. J'avais rarement vu ça. Z. Quoi? Peur.
Le pire, c'est que tu te crois marrant. Arrête, je suis trop drôle. Ah mais non, mais en fait, attends, on n'est pas du tout sur la POV de Neikos ni de Nezix, on est sur la POV du 3ème, c'est juste que sur PS4, c'est peut-être bugué. Regarde, ils sont en trio. Ouais, quand tu es avec des PC sur PS4, l'affichage est bugué. Ah. Et du coup, attends, ils jouent clavier souris PS4, mais je croyais qu'en fait, c'était entre guillemets une légende, ça, parce que il y avait un mec qui jouait clavier souris PS4, il m'avait expliqué qu'en gros, ils avaient une latence avec le clavier. Ouais, il y a une latence de baiser. Hein. J'ai essayé de faire une vidéo au clavier souris PS4, elle est jamais sortie parce que j'ai jamais réussi à faire un bon truc. Il y a une latence de ouf. En fait, dis-toi, c'est comme si tu jouais avec 900 ping. Vraiment ? Ouais. Bah écoute, alors du coup, c'est qu'ils sont chauds du slip. En tout cas, le joueur sur qui on est, il a presque 5000 points d'arène, ce qui est pas mauvais. Il est plutôt bon, et surtout qu'il est plutôt bon avec une PS4 et 60 FPS, quoi. D'ailleurs, j'en profite, hein, vraiment, si jamais vous pensez que, comme vous êtes, entre guillemets, joueur PS4, vous pouvez pas participer, n'importe qui peut participer. L'important, c'est que votre ex soit de bonne qualité, minimum 720p. Après, votre nombre de FPS, bah, si vous êtes Switch et que vous voulez participer, pourquoi pas, vraiment, pourquoi pas, ça serait sympa qu'on en prenne un ou deux. Après, il faut que vous ayez le moyen de règle votre écran de la meilleure manière possible. L'ennemi qui s'était caché... Et pas qui c'était viande. Non, non, non. Cette blague, non, je la veux plus jamais, cette farce. Je la veux plus jamais. Mais je te l'ai jamais faite. Plus jamais. Oui, mais je te l'ai jamais faite. Z, non, elle était trop nulle. Les abonnés, dites-lui d'arrêter. T'es pas fait pour l'humour. Oh là là, allez, prends ton kill. Tu sens qu'il a une latence. Tu sens vraiment qu'il a une latence. Ouais, ouais, de ouf. Mais il maîtrise quand même bien, honnêtement. Ouais. Allez, prends le kill. Voilà. Et le kill qui est pris. Écoute, ils vont valider un petit top 1. Par contre, je comprends pas. C'est quoi ces games d'arène où il y a personne. Ils sont plus cuits à la zone 4, même 3. Parfait, il prend le kill. Oh, la game est vraiment pas stack. Non. Et c'est pris. Oh. Nickel. Écoute, bah cette game, elle va aller plutôt vite. Par contre, j'ai vraiment pas d'idée. Moi, je suis encore en train de réfléchir, honnêtement. En fait, j'ai envie de tenter un kit ou double. Parce que là, vu qu'en plus, je suis en train de gagner, techniquement, si je gagne ce round, eh bah, j'ai win. Effectivement, si tu gagnes ce round, t'as win. Donc, c'est pour ça que j'ai intérêt à avoir bon. Je suis en train de réfléchir. Ouais, vas-y, je vais dire ça. De toute façon, ouais, vas-y, je vais dire ça. Et bah, écoute, ils sont en 3v2 pour le top 1. Est-ce que ça te saoule pas, toi, les mecs? Tu leur tires dessus, ils mettent 50 murs blindés. Ah, si, ça me fout les nerfs. Et le kill qui est pris pour le top 1, 14 kills, ce qui est plutôt correct, et qui lui permet de monter à 5000 points d'arène. Bravo! Ok, t'es prêt, Waz? Je suis ready. 3, 2, 1, 3000. 2000. 2000, tu vises pas où quand même? Ah, moi je sens qu'il a moins de 1000 même. Moins de 1000? Ok, bah écoute, on va voir ça. Moi je pensais avec 3000 que je visais déjà bas, je pensais que t'allais dire genre 7, 8000, mais ok. Donc si jamais, vu que t'as dit 2000, si c'est moins de 2500, c'est toi qui a win, si c'est au-dessus, c'est moi. Allez, pitié. 3300. Oh non. Bah voilà, c'est validé. Nice, 2-2. Et bah écoute, je te propose qu'on voit qui va gagner sur cette dernière manche. Allez. On est parti du coup pour cette dernière manche. Waz, regarde comment il s'appelle, s'il te plaît. ZDFR sont nuls. Oh, mais c'est le pseudo le plus réel que j'ai vu de ma vie entière. Frérot, je sais pas comment réagir. D'ailleurs, en plus, je sais pas si vous avez vu, on est encore sur Denis, donc on va avoir un gameplay de zinzin. Vu qu'on sait déjà combien de kills a Denis, l'objectif, ça va être de deviner combien de kills a ZFR sont nuls. Par contre, le frérot, il s'appelle vraiment comme ça, genre. Et oui, en plus, Denis, c'est un ZZ. Ça veut dire que c'est un duo de ZZ qui sont anti-ZFR. Je vous adore, les gars. Continuez. Non, mais ça veut pas dire que Denis, c'est un ZZ. Tout à l'heure, oublie pas, il s'appelait ZZ sur son Fortnite Tracker. Et oui, le niveau des ZZ. Par contre, ils ont l'air très forts. Ils all-in comme des cinglots. Bah bien sûr, c'est des ZZ, t'es bête ou quoi? Ça m'étonne même pas, moi je suis pas choqué. Tu sais ce que j'ai trop envie de faire, Waz? C'est quoi? Dans la description, je vais mettre un Stropole. Vous allez répondre, soit vous êtes ZZ, soit vous êtes ZFR. Vous cliquez sur le lien du Stropole et vous avez juste à cliquer sur ZFR ou ZZ. On est sur ta chaîne, il y aura plus de ZFR. C'est pas grave. On va voir, il y a combien. Et je te propose qu'on le fasse sur plusieurs vidéos et on fait une moyenne. Bon par contre, faut pas que j'oublie de mettre le Stropole. Pour l'instant, alors d'ailleurs, on peut voir que cette game, elle a été faite après la première puisque Denis est à niveau 242, il était niveau 237 tout à l'heure. C'est vrai. Et dans leur game, c'est pas trop stack. Denis qui récupère le kill. Allez, Denis. Le dernier, il est où? Oh, la balle karaté. Faut mettre les splash. Oh, c'est vraiment des plots quand même en face. Hein. Mais oui, je comprends pas. Mec, moi, quand j'étais à 5000 points, je peux t'assurer que les mecs, c'était pas des plots. D'ailleurs, t'as combien de points d'arène, toi, Waz? Z, tu veux vraiment que je te le dise? Oui, les abonnés, ils le veulent. Je suis à 5 points de passer les 3000. Je suis à 2995. Mais comment tu peux te prétendre être chef des ZZ? Ça fait 3 saisons, je te le demande. J'ai toujours pas de réponse. On s'en fout de mes points d'arène. C'est pas ça qui compte. Ils savent, les abonnés, que je joue pas beaucoup, moi. Et voilà, le kill qui est pris. D'ailleurs, on peut voir qu'ils ont tous les deux 4 kills, donc on peut légitimement estimer que son mate est aussi fort que lui. C'est peut-être une indication par rapport à son nombre de kills. Franchement, je trouve que Fortnite, ils ont trop géré cette saison pour l'arène, parce que, en fait, maintenant, t'es contre des mecs qui ont forcément le même nombre de points que toi, c'est devenu beaucoup plus compliqué de monter, et lorsque t'es champion, les points de but, ils sont hyper punitifs. Donc d'un côté, bah c'est galère, mais en même temps, du coup, n'importe qui ne peut pas monter champion. Et ça, je trouve ça super.
Voilà, c'est pris. Et son mate, il fait un kill aussi. Ils sont à 5 et 5, 10 du coup. Waz. Oui. Il y a 2 semaines de ça, avant d'aller me coucher, j'ai regardé mes DM et je te jure que c'est vrai. Je vais essayer de le retrouver. J'ai eu un DM d'un mec qui m'a dit écoute Z. Non, c'était pas un mec. En plus, je dis toujours mec, mais c'était une fille. Elle m'a dit écoute Z. Je tenais à te dire que je te remercie parce que j'ai rejoint les ZFR et c'était la meilleure décision que j'ai prise. Et avant, c'était une ZZ apparemment. Ah, elle s'appelle pas Runa ? Si, si, déjà il y a Runa, mais c'était encore quelqu'un d'autre. J'ai plus le pseudo, je te dirai après, d'accord ? Ok, mais vas-y, bah si elle veut devenir une loseuse, elle devient une loseuse, elle fait ce qu'elle veut, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui sont devenus ZFR, bah franchement, ça leur a plu quoi. Bah écoute, si on a parmi vous qui se sentent un peu plus loser, et bah devenez ZFR les gars, y a pas de problème. Chez les ZZ, on veut pas de loser nous, hein. C'est pas grave, comme on dit, l'union fait la force. Plus on est, plus on va gagner. Donc toi, tu préfères avoir plus de losers qu'avoir peu de winners ? Bah moi, je préfère avoir des winners et des losers, les deux. Comme ça, au moins, tu vois, on va dire que des winners contre que des winners et des losers, bah c'est forcément que les winners et les losers qui vont win. Tu vois ce que je veux dire ? Ouah, le loser. C'est comme si jamais tu mettais une armée, tu mets 20 000 mecs forts contre 20 000 mecs forts et 10 000 mecs nuls, c'est forcément 10 000 mecs nuls et 20 000 mecs forts qui vont gagner. C'est exactement comme ça que je le vois. Bouh. Bon, en tout cas, on parle, mais je sais pas combien je vais dire pour ZFR son nul. Moi, je sais. Allez, c'est le dernier. Oulala, fais gaffe, 120 HP, c'est pas beaucoup. 82, il est pas crack. Aïe. Ouah, c'est bon, il l'a eu. Oh, et le dernier, j'ai eu trop peur qu'il prenne une balle. Ouais, ouais, la même. Et c'est bon, bien joué. Eh ben écoute, Denis, il fait beaucoup de kills, il fait beaucoup de top 1. Il a combien de couronnes? Il en a 27. Tu vois, si on devait deviner les couronnes. Ok, est-ce que t'as ton idée, Waz? Pour ZFR son. Oui. Du coup, c'est son mate, hein. 3, 2, 1, 10 000. 1705. T'as dit combien? 1705. 1705, malade de naissance. Ok, donc toi 1705 et moi 10 000. Donc, vas-y, bah écoute, on est parti. Moi j'ai dit un truc rond. ZFR son nul, il en a 7200. C'est gagné pour moi, Waz. C'est gagné pour moi, let's go. Vas-y. Et quand même, il a 20 jours de jeu et il a 7226 kills. Let's go. Ça me dégoûte. Waz, c'est terminé. Ce premier épisode de On devine votre nombre de kills, je l'ai gagné. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, en vrai, c'est pas mal, mais je suis pas déçu d'avoir perdu. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que là, sur ta chaîne, il y a eu un mec qui s'appelle ZFR son nul. Et ça me fait trop plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est une petite victoire pour toi en vrai. Dans tous les cas, n'hésitez pas à participer. Vraiment, je vous incite à participer parce que, comme vous l'avez vu, on avait tellement peu de clips qu'au final, on a dû réutiliser le clip de quelqu'un. Donc, si vous participez, vous avez de grandes chances de passer dans la prochaine vidéo ou en tout cas les prochaines. Si jamais la vidéo atteint 17 000 likes, j'espère que cette petite série vous plaira. Et puis sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao!